C'est parti! Allez, bonne chance! Que le meilleur gagne! Bon courage! Merci d'avoir rejoint le circuit de Plumeau-Dent. On a donc un peloton de 122 coureurs sur la ligne de départ avec Jean-Pierre Huelan, qui est l'un des derniers à partir. Comme on dit, le dernier à partir sera peut-être le premier arrivé. Jean-Pierre Huelan avec... Et Alain, remonte. Et Alain, plus haut, bonhomme. Salut. Non, ça m'a rien à voir. Ouais. Alors, comme vous avez tout à l'heure en studio, c'est 18 tours de PV à la place de 20 tours. Il remonte. Allez Glenn. Allez Fernand. Thibaut. Allez Thibaut. Thibaut un peu plus haut madame. Allez. Allez Alain, remonte là. Remonte. Alain, plus haut madame. Ah, je sais pas si... Essaye de voir, mais essaye. Mais tu te prends d'avance, hein. Qu'est-ce que je vous offre pour vous encourager? Eh bien, c'est une de boulet, j'aime bien. On se remercie. Allez Alain, allez, c'est bien. Ah Thibaut, allez, voilà, allez. Allez. Merci d'arriver bien, je vous fais, rendez-vous bien. Voilà. Personne de chez nous. Allez Alain. Combien à sauter? Oui, merci de vous ranger ici, c'est pas évident, oui. Faut que tu remontes là.
autant récupérer. Accroche-toi Alain, c'est bien. Allez Alain, c'est bien, allez! Allez, 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 allez
Il fait les Jeux Olympiques, les garçons. C'est vrai. Ah ouais. Pour l'exemple, à l'instant avec le passage de la contre-attaque, c'est donc Marc Codon, le candidat de France qui a ce là. Première part de l'équipe de 5 sur le bout, déclenche le chronomètre, dernier écart, 4-7. Ah, le peloton, donc c'est recoupé un temps avec le passage à. Allez, Glenn, allez, 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 madame. Hey, Fernand. Hey, Thibault, allez, Alain, allez, allez. Qui s'est fait la chose dernière dans le bain, hein? Ouais. Thibault. Deuxième dernière de Gignac, et bien sûr le coureur donc David Seignon. Voilà, on va prendre un petit écart maintenant avec la contre-attaque. On mettra Juventus, prochain tour, 4 tours de l'arrivée. Ah, le peloton a repris du terrain. On a une toute petite trentaine de secondes de retard. Et l'écart, donc j'avais 27-28 secondes au dernier passage. Prochain tour, on aura prime avec le passage à 4 tours de l'arrivée. Allez, Alan, c'est bien. Tromperont de pas. Allez, 20 et 10. Voilà, changement en tête. Anthony Presse, le sociétaire de l'UCB, qui a gagné cette année le Grand Prix de Viviers-sur-Mer. Deuxième en Guignel, l'ancien vainqueur de Plaintel-Plaintel, de l'histoire breton et du Grand Prix de Montbontour. Allez, prime également pour vous, les gars. Allez, 20 et 10 sur la ligne. 20 et 10 sur la ligne. Prime en départ. La contre-attaque. Donc avec un 26 secondes, nouvel écart. 26 secondes à 3 tours de l'arrivée. Voilà, avec un nouvel écart. On passe là sur la ligne. Le reste du peloton. Ah, c'est revenu de l'arrière. Compte sur 3, dernier écart. 26 secondes entre la tête de course et finalement le reste du peloton très étiré. Non, il a sauté. On va avoir la ligne un peu, mais non. Ouais. Ah, il est là. Et oui, on sera dans les deux derniers tours à 10 km de l'arrivée, lorsque la tête du peloton reviendra. Le temps du tour, 7 minutes et 31 secondes. Voilà, avec le passage au prochain tour. Ah, j'ai l'impression que l'écart s'est recreusé à nouveau. On va faire un petit écart. Prochain tour, 20 euros plus rapide du groupe de tête. Allez, prochain tour prime pour la contre-attaque emmenée maintenant par le sociétaire du VCP de l'UDEAC avec une écartation de l'UDEAC avec le peloton derrière très étiré avec quelques tentatives au sein du peloton. Voilà, deux tours de l'arrivée, deux tours. Allez, Alain. Groupe. Pas vraiment. 20 euros sur la ligne. Au plus rapide du groupe. 20 euros sur la ligne. 20 euros sur la ligne. Allez, une seule part sur la ligne. C'est le dernier tour. Allez, une seule part sur la ligne. Une seule part. Avec le dossard numéro 19. Derrière Tony Press. Derrière. Voilà pour la contre-attaque.
10 euros en une seule part, 10 euros sur la ligne, en une seule part, allez sur la ligne, 10 euros, une seule part, sur la ligne, une seule part, voilà, c'est pour lui avec le 122, pour la prime de 10 euros, sur la ligne, voilà, avec le passage à la mort ce dernier tour, allez, on met 10 euros également, derrière, allez, 10 euros plus rapide, 10 euros sur la ligne, prime en une seule part. Allez, 10 euros plus rapide. Le son, le sort numéro 100, pour les 10 euros sur la ligne, avec le passage. Devant nous, donc, le peloton. Prochain tour, c'est l'arrivée. Prochain tour, c'est l'arrivée. Dernier tour pour le peloton. Dernier tour avec Stéphane Roselier, qui était là aux avant-postes et qui était. Donc, cette année également, souvent le passage au dernier tour pour tout le monde. Prochain tour, c'est l'arrivée. Du team Pays-Ladinan, sonné au niveau national. Voilà, avec l'arrivée maintenant sur la ligne. C'est l'arrivée, attention, donc l'arrivée pour. Les courants, donc le peloton maintenant avec l'arrivée. J'ai l'impression qu'Anthony Presse a réussi à s'en aller en solitaire. L'arrivée maintenant sur la ligne avec la victoire en solitaire. Anthony Presse qui avait gagné à Villiers-sur-Mer, l'ancien vainqueur de l'Essor Breton et du Grand Prix de Montbontour. La victoire avec la deuxième place. Jacques Hurlot qui va aller chercher la deuxième place. Jacques Hurlot, deuxième. Troisième avec le dosseur numéro 104. Marc Conant, habitué à la troisième place. Allez, on l'applaudit bien fort. Le jeune Renaud Laure qui franchit aussi la ligne. Belle performance de Renaud Laure avec la victoire de Anthony Presse. Deuxième Jacques Hurlot. Troisième Marc Conant, le grand parisien, l'arrivée pour tout le monde. Attention, il y a encore des pelotons à l'arrière. C'est David Dagnon qui remporte le classement animateur. Allez, c'est l'arrivée sur la ligne, c'est l'arrivée. Allez, c'est l'arrivée. Le peloton maintenant sur la ligne. C'est l'arrivée. Voilà, avec donc les places de l'heure, c'est l'arrivée sur la ligne. Voilà, j'ai fait un petit peu de silence pour que les commissaires, évidemment, puissent prendre le classement. Ah, pas évident, il y a du monde à l'arrivée de cette épreuve. Beaucoup de public également, avec au plateau un beau vainqueur, Anthony Presse de l'UCB Yoshine, vainqueur deuxième. Allez.